Il arrive, il faut fuir, vite! Chère déçu monde. Regarde la bière. Il t'en veut. Je me disais que tu passais vachement près du machin. Ou je t'étais même pris le mur. J'aurais pas fait long sans me blesser. Bon, tu t'en fous, de toute façon tu vas dans l'eau, ça te restaure de la vie et puis il y a des pièces. C'est pour le principe, pour l'honneur. Oh. 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 C'est tellement honorable. Je trouve d'aigle le bruit qui fait quand il nage. C'est pas des plus esthétiques. Waouh. C'était minable. Bon là t'as des ongles vachement carrés, super bien démises, mais bon au moins les blocs sont carrés. Pas comme une perche du mur. Voilà, tu fais direct comme ça, c'est bon. Bah les coups d'ange j'arrive pas à les faire. J'ai horreur de ce truc. Mais... Bon, en un seul langage je devrais pouvoir y arriver. Ouais. Je sais pas, le 1 puis me perturbe trop. Tu vois, je le fuis. Tu devrais vraiment faire un son longueur, à mon avis. Je voulais, là. Bah, au pire, si t'oses pas, tu me laisses faire, et puis bonjour. Non, mais je vais y arriver. Je te laisserai quand ça m'énervera trop, mais là, voilà. Ah ouais, c'est oh, bon. Putain. Non ah, putain. Ah, faut faire en direction d'où il y a le mur. Ah, mais ça m'énerve, ça m'énerve. Unacceptable. Oh trop vil. Oh putain. Moi tu sais quoi, j'en ai plein le cul, tu fais. Ça m'énerve. Ouais. Voilà. Si tu y tiens. Tu vas pas réussir mieux. C'est ce qu'on verra. Je te hais. Oh flawless. Ah pas, je vais me faire cramer le cul dans une demi-seconde. Ah c'est bon. Putain. Alors que moi je me suis lamentablement loupé 4 fois de suite. Tiens, je te rends la manette. Tu vois pourquoi je déteste ce machin là. Ouais, mais bon, voilà quoi. Si tu veux utiliser les plateformes en flèche, c'est qu'un petit peu con. C'est pas ce que je voulais dire, mais c'est pas suffisant. Sur les toits. Sur les toits. Ah oui, ça c'est quand tu dois aller au sommet de la. Ben, du moment que tu as rempli le truc. D'ailleurs, déjà plus court. Je trouve ça trop vil parce que le niveau de quand tu remplis en rentrant tout en haut du tableau, en fait, t'as aucun machin qui te donne le même niveau. Ouais. Donc, c'est un niveau que t'arrives à avoir que comme ça. D'ailleurs, pour passer dans la ville, moi j'utilise toujours en nageant, tu sais. J'utilise pas le canon, je sais pas pour toi, mais. Bah, tu sais, tu peux nager si tu sautes, tu t'accroches. Tu veux pas faire les 100 pièces? Non. Je trouve ça trop sec, ces machins. Je ferai les 100 pièces quand j'irai de l'autre côté. Ouais. Bah, c'est vrai qu'avec les pièces rouges. Fais attention, je vais pas cramer la tête! Il brûle et crame. Je préfère me faire électrocuter que me faire cramer ce truc qui tourne super vite. Ouais, il tourne tellement vite. Je crois que t'étais pas dessus. Bon, ça fait une vite fête. Je suis jamais allé dans ce truc blanc là où il y a les. Sauter dedans. Mais t'es censé faire ça, t'es censé aller en canon, tirer à travers le truc blanc, puis t'arrives de l'autre côté. Ah. C'est comme ça que t'es censé faire. Ah non, moi je tire en plein dans le coin, puis il se mange un mur invisible, et puis c'est bon. Non, moi je crois que t'es censé faire comme ça normalement. Mon score, 5 pièces. Oh bien. Bon, je choisis tu fais. Alors, les énigmes, elles sont dans quel ordre? Mais les énigmes, elles sont en bas, je sais pas si c'est une très bonne idée. À mon avis, tu devrais aller dans la ville de l'autre côté. Parce que pour les énigmes, faut plutôt mettre le niveau minime. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'ai fait. Toi, tu sautes comme ça, puis c'est bon. Après, faut juste pas se noyer. Ouais, ça c'est vrai, mais en général ça va, t'arrives, il te reste 3 vies en général quand t'arrives à ce côté. Je vais te mettre des grilles à contourner à la fin, je vais pas faire chier. Ouais, mais c'est vrai que si je voulais faire la 3, j'aurais pas dû
remplir entièrement. Là, je fais laquelle? Non, je fais celle qui est dans la. Fais la course en ville, quoi. En plus, c'est comme ça que ça s'appelle course en ville. Genre, il faut marcher, puis tu achètes une étoile. Ouais, mais t'as pas de passer. Si tu me ramènes une étoile ou deux, Brigitte, mais volontiers, Marcus. Marcus? C'est quoi ce nom pourri? Ah, c'est un mec qui nous regarde qui s'appelle Marcus, il va se sentir blessé. Tant pis pour sa tranche. J'aurais m'arrêter sur le toit. Mais je crois que tu glisses si t'es là. Bah, oui. Effectivement. Ah, ah, il manque une Brigitte. Mais t'as pas la... T'es obligé de passer par-dessus. D'ailleurs, moi, il m'a fallu un moment avant de comprendre qu'en fait, avec l'invisibilité, tu peux passer à travers ces murs. Mais pas les autres, il me semble. Ouais, parce que tu peux passer à travers ceux-là. Mais c'est... Je veux dire, c'est pas logique. Je sais pas. Bah, il y a pas grand-chose qui est logique. Ouais, il y a bien un non-monstre en bloc. Ouais. Puis il y a bien des fluctuations dans l'eau, alors qu'il n'y a aucune raison qu'un... Là, tu peux passer, tchou. Ça rend l'étoile quand même beaucoup plus facile. Après, tu dois attendre que ce soit fini. Ouais. Donc c'est quand même plus logique de faire le tour. Et tu peux pas te servir du bloc et puis faire un... Ouais. Puis après je passe de l'autre côté puis je dois tout refaire. Ouais. Je préfère attendre. Ouais, c'est vrai que c'est plus sûr. Après faut encore réussir à faire deux sauts miroirs à la suite. Mais les sauts miroirs dans le jeu ils sont durs. Je trouve que dès Sunshine, quand tu peux faire un saut miroir quand tu veux, tu glisses en bas du mur. Ça rend quand même le truc tellement plus facile. Oh. Parce que mine de rien, dans le jeu, tu te fais chier des fois à faire des sauts muraux. Bon, ça c'est fait. Bah, ça va vite, moi je trouve. Je sais pas, c'est juste que je l'aime pas. Puis remarque, comme tableau, c'est quand même pas très beau. Là, ouais. Comme ça. J'adore, c'est comme tu rentres vraiment tout en bas. Ah non, 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 non. Là, tu te demandes comment il fait pour pas se faire mal. Ah ah, elle fait moins le malin, bouh, t'as failli te la prendre. C'est-à-dire, elle fait moins le malin maintenant qu'il y a plus d'eau. Et il va se faire cramer. Ah non, mais non. Je suis quand même pas si nu. Je vais bien pas être très nu. C'est trop bizarre, t'as des chiffres qui apparaissent. J'en ai pas les une au départ. Non. Non. Il y en a deux là, ah, c'est trop vite. Là, il y en a deux. Bah, c'est, tu peux faire un saut, bah, c'est d'ailleurs ce que tu vas faire. Ouais, mais tu vas lamentablement louper. T'es un peu short là. Bah, tu peux. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a eu le chiffre avant que je tape la caisse. Il y en a 10 bon, dedans, pièces. Ouais, il y en a 10. Mais les 100 pièces, c'est encore assez facile dans ce niveau. Le 3, même bien que tu fous du corps. Enfin, direct. Là, il y a rien, c'est trop bizarre. Pourquoi ils ont mis un bloc, c'est rien. Maintenant, faut laisser ces machins qui te lancent. J'aime pas ces trucs, ça fait aussi partie de pourquoi j'aime pas ce niveau. Bon, en même temps, ce qui est vraiment chiant. T'as vu la balle ville C'est trop bizarre. Bon, ce qui est chiant aussi, c'est que des fois, t'en as un qui te lance, puis t'as l'autre qui te lance direct. Du coup, tu peux rien faire. Ils font mal en plus si tu réussis pas. Ouais, à aller où tu vas aller. Tu te manges deux. Enfin, je veux dire, ça tombe deux. Non, je vais pas réussir, n'est-ce pas? Oh, ça fait mal. Pourtant, j'ai l'impression que ça partait bien. Ouais, j'étais pas loin. Limite à être à ras le bord. Oh là là, oh là là, j'aime pas celui qui te regarde avec son petit regard là, mais ça se moque. Il y a 10 pièces dans chaque machin, là. C'est beaucoup. Ouais, bah ça va vite. Le machin il tourne en rond en mode. Puis le dernier il est là, ouais, bah ça va encore relativement vite. Ouais, faut juste réussir à mettre le niveau de l'en bas. Enfin, réussir, en profond. Oh, il s'accroche à rien. Oh bon, putain, elle est là-bas! Ah ouais, mais elle est là-bas, ouais. Ça m'avait mais échappé. Tu pourrais remonter l'eau en passant là. Mais attends, il y a un moquette là. T'es sûr? Ah oui. Bon, c'est toi qui vois, hein, mais. Ouais, c'est vrai qu'en fait, t'arriverais. Ah, mais ah merde! Bah, alors là, ça va pas le faire du coup. Je me suis fait mystifier. Ça fait mal, maintenant faut remonter le niveau de l'eau. Celui-là, c'est au moins le truc que j'utilise jamais. Ouais, parce que je pense pas qu'il t'aide beaucoup. À part à te restaurer un peu ta vie. Faut que tu retrouves celui qui mène en bas si tu veux. Ouais, non, je. Parce que là c'est pas assez haut, je pense. Tu crois? Ouais, non, ouais, c'est même largement pas assez haut. Faut que t'ailles chercher. Attends, il est là-bas au fond. Tant, 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 tant. Oh, et tu t'es mangé en plus. Ouais, puis je suis pas perdu de vie. Ouais, ça c'est vrai que c'est un peu bizarre. Pour moi, dans Sunshine, quand tu te manges un truc dans l'eau, ça te restaure des vies. Pardon, ça te restaure pas, justement. Moi, il m'a fallu un moment pour comprendre quand j'ai. Oh. Tu fais quoi? Il m'a fallu un moment pour comprendre quand j'étais petit qu'en fait, tu sais, ça abaissait au niveau. Moi, je croyais que c'était aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais que. C'était pas lié. Moi, j'aurais directement pu aller. Pourquoi j'ai baissé l'eau? J'aurais directement pu prendre celui-là. Celui-là, ça suffit, non? Ouais, c'est vrai.
Stupide caméra. En même temps, t'as vu Mario, c'est peut-être pas le... Non, mais là, mais c'est là, il serait à lui. Là, tu fais un saut. Okay. Tout ça parce qu'ils m'ont foutu là. Non, je vais tomber dans le... Je sais pas pour où je suis. T'as même pas... Pourquoi ils l'ont pas mis où je l'ai eu? Ouais, c'est vrai que c'est pas très logique de l'avoir mis là-bas. Bidoum 6! Ça tourne autour. Et puis en plus, si t'as bien regardé, t'as vu que l'étoile était décalée derrière. Trop bizarre. Il reste quoi? Ah, l'ascenseur. Moi j'aime bien l'ascenseur. Ouais. Je crois que c'est le seul que j'aime bien. Bon, moi j'aime bien le 1 aussi. Parce qu'il est facile. Enfin, si tu vas en mode anticonformiste. T'as mis le truc tout en bas, tu veux faire les 100 pieds sous l'ascenseur? Ah non, tu peux faire l'ascenseur parce que de toute façon faut que ce soit en bas. Bah faut que ce soit en bas, parce que je me suis dit ouais, t'as pas le temps d'aller en haut. De nager. Mieux vaut monter à pied que... De toute façon t'es obligé de monter. Oh, comme bon. Truc de merde. Oh, prends ta gueule. C'est chiant. Tu tombes encore dessus. Oh, oh, dommage. Oh, puis tu vas en reprendre encore plein gueule. C'est pas vrai. Je t'ai vu. Non mais je déteste les machins. C'est tellement un combo ce truc. Je me suis fait mais exploser. Puis il y a nouveau l'autre qui va t'attendre. Non. Oh, non, non, oh, bah, t'as eu du bol. Putain, mais je suis horreur de tes machins. Il va encore se faire cramer. Je suis trop bizarre. Vas-y, bam. Wouah. Non, 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 putain. C'est pas vrai. Oh là. Non, c'est bon. Il m'est passé à travail. Mais pourquoi? Parce que j'étais encore par terre, je sais pas. Bon, même, je veux dire, genre le mec, t'as le feu qui lui passe à travers. Bon, j'en ai rien à foutre, hein. Je suis par terre, ok. Je veux pas me plaindre, ça aurait pu me tuer. Ouais, c'est clair. Mais moi, j'ai bien cru que c'était la fin quand j'ai vu ça. Il va ramasser le secret, même. Moi, je crois toujours que c'est l'autre partie qui se dérobe. En fait, c'est celle-là. T'aurais peut-être dû enlever la caisse. Voilà. Non, moi j'aurais parlé d'enlever la caisse, mais je vais y arriver. Ça va être limite ça. C'est... Non, c'est bon. Wow. Il me semblait que mais moi aussi, moi je panique tout le temps parce que je me dis, elle reste trop pas c'est longtemps. C'est trop bizarre parce que t'as les jointures qui relient les deux plaques de bois, mais les jointures elles passent à travers la grille. Ça, dans la rubrique pas logique, c'est n'importe quoi. Voilà, ça c'est fait. Tu vois à peine Marie. Ouais. Non, moi je sais pas, j'aime bien celle-là, mais je crois toujours qu'elle reste à peine 2 secondes en bas et puis que t'as pas le temps. Ouais, moi j'étais trop en train de me dire merde, il a pas giclé la boîte, ça va pas aller. Bon, cette fois c'est les 100 pièces. Les pièces rouges. C'est chiant, du moment que t'arrives à cette étoile là, ça devient chiant. Ouais, y'a peu de niveaux qui sont bien avec les 100 pièces. Oh, il me semblait que t'étais rentré en bas pourtant. Bah, va chercher le truc qui met tout en bas quoi. Y'a pas des pièces sous la piste? Ah non, je crois que c'est des pièces sur la piste peut-être. Je crois que c'est un régulateur qui est sous la piste. Ah oui, c'est possible. Le régulateur, c'est les prismes que j'appelle comme ça. Je pense que t'avais compris, mais je pense que... Oui, il va tuer les araignées. Il va tuer. Ta, 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 ta. C'est trop bizarre le bruit qu'il fait. Il fait même bruit que Wiggler. Oui, c'est vrai, c'est bête. D'ailleurs, tu sais, Wiggler, il l'appelle le gigoteur dans le jeu. J'ai toujours trouvé ça bizarre. En fait, wiggle en anglais, c'est dire gigoter. Hein. Donc en fait, c'est logique. Enfin, gigoter, remuer, genre de trucs, quoi. Ah, les pièces bleues, encore. Ouais, c'est vrai que... Il me semble qu'il y en a beaucoup en plus des pièces. Il y en a 6 ou 7, je sais pas. Calme, moi il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Ou 6. Peut-être même 7. Essayez de passer à cramer. Oh, date manœuvre d'esquive. Et il passe en bas. Oh. Oh. Un. On va bien voir. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui c'est qui avait raison? C'est Bibi. On a 10 dans cette boîte. Cette fois je vais réussir avec un triple saut. Et en plus, oui. T'as la pluie de pièces. Juste parce que j'étais capable de taper une boîte là-dedans, là. Hein. Moi, c'était fixé. C'était joli, hein. Comme manœuvre. Ça méritait les 10 pièces qu'il y avait dedans. Mm-hmm. Par contre, là, je pensais que tu voudrais te faire lancer, mais oui, c'est vrai. C'est plus logique. Là, c'est encore des pièces sur le truc. Celles que t'as prises après t'être fait cramer dans le 1. Faire remonter les cauchemars. Ouais. T'es mort! Tu l'as tenté de me cramer, j'étais dans l'eau. Une peur désespérée. Là, tu fais un saut en arrière. Mais what? Ah, mais je vais là. Tu vas aller à la piste.
Je veux monter. J'ai pas besoin de ces 5 pièces qu'elle m'a là-dessus. Je préfère ça que de me faire exploser par ça. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a une tonne de pièces dans ce niveau. Tu veux dire, il y en a 10 là, il y en a 8 autour du pylône. Oh. Ouch. Il faut que t'en aies 84. Bon, il y en a encore dans la ville à part ça. T'as pas besoin expressément d'avoir 84, mais. Ouais. Faut pas en avoir plus, en tout cas, c'est délicieux. Ouais, si t'en as plus, on l'a dans le rush. Je veux pas refaire la même chose que dans le 7, hein. Ouais. T'imagines pas la douleur que j'ai dû monter ça. Là, il y en a pas aussi 10 dans le truc à gauche. Je vais aller vérifier. Moi, je croyais toujours qu'il y avait un secret dans celui-ci, d'ailleurs. Oh. Ça le trouble. Moi, je vais faire un coup de hanche. Non. Encore faut-il réussir à faire du mal. Waouh, dans le genre 10. Mais pourquoi il se prend le mur? Mais ça, je comprends pas. C'est comme tu sais, dans le monde de Montagne d'Ail là. Tu sais, une fois, il s'est pris le pont. Ou bien dans le 1 aussi, il s'est pris un bloc. Il t'en faut encore 6. Machin, il t'en donne 5. Il y en a 5 là, non? Ah ouais. Par contre, là, pour aller dans la ville, ça suffira pas. Non, ça suffit pas. J'ai pas le choix d'aller au canon. Au moins remonter le niveau jusqu'au canon parce que je suis pas sûr que ça suffit pas. Essayer si tu veux. Non, ça suffit pas. Tu peux pas faire un saut mural en sortant de l'eau en fait. Je sais pas. Je vais pas tenter. Bah, ce serait monstre pratique. T'imagines, tu fais un saut mural, tu sors de l'eau, tu fais un saut mural et t'es dedans. Bon, voilà ce fucking canon en se faisant pas lancer par ce. Ça, ça va être quoi ce machin? Je sais pas, moi je trouve qu'on dirait trop un bobombe. Ouais. Ça c'est fait. Ah, ma bobombe, elle est super haute. Moi je trouvais qu'elle était super pas facile à atteindre. De quoi? Bah, pour ouvrir le canon. Ah ouais. C'est pas le des plus évidents. Mm-hmm. Bon, après, quand t'as le niveau super super haut, oui, mais là. Voilà. Qu'est-ce qu'elle fait toute seule sur une plateforme? Elle passe sa vie à rien faire. Elle est en mode forever alone. Mais des fois, elle la place, mais juste pour te faire chier. Ouais. Typiquement dans le monde des neiges d'avant. Ah, moi j'allais dire dans la montagne trop haute. Ouais, parce encore, ouais. Bah. Pour la trouver, celle-là, tu m'excuseras, mais à part en se viandant et puis en la voyant par hasard. Quoi? Dans le monde grand petit, t'en as besoin chez les grands, aller chez les petits. Ouais, ça c'est tellement n'importe quoi. Limite, il y a que dans le 1 où elle te fait pas chier. Bon, dans le 2, elle est pas super chiant. Ouais, elle est à côté du canon. Le 3, ça va encore. Tu vois, je passe pas dans le truc blanc. Ah ouais. Je me mange le coin et puis bon. D'ailleurs, je croyais toujours que si t'étais trop haut, il partait dans le nerf. Non. Il se mange l'invisible. Tu me demandes quel coup ça a. Oh. C'est comme, j'ai vu avec qui je discutais quel coup ça avait hein, une arme. Puis j'étais là, c'est quoi cette putain de conversation de merde? Non mais franchement. Il manque juste une pièce. Plus les rouges. Tu es la créature la plus maléfique de tout l'univers, laisse-moi avoir ton âme. Ouais. Non, tu peux pas avoir la mienne. C'est parti pour abaisser le niveau de l'eau. Ouais, je vais reprendre les viandes. Tiens, encore toutes ces pièces là, en fait il y en a une tonne aussi dans la ville. Il y a du métal, j'avais oublié ça. Je me souviens pas l'avoir pris une seule fois dans ma pauvre vie minable. Et ma vie est vraiment minable. C'est pas ce que je voulais dire. Et ma vie est vraiment longue. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à jouer aux jeux vidéo. Moi j'ai tout le temps envie de m'arrêter là, mais en fait tu peux pas y passer. Ça, je sais jamais ce que ça fait. Mais ça fait apparaître les blocs pour monter justement, mais ça les fait. Quel bloc? Ouh. Mais ils sont tourne à gauche. Moi j'ai toujours fait comme ça, mais j'ai jamais compris pourquoi. Mais il faut que tu sautes moins, sinon ça marche pas. Ah bon voilà. Mais j'ai compris. Mais bah fuck. C'est ça manière. Mais tu prends pas très bien. Je crois qu'ils sont par là les blocs. Bah t'as pété le bloc où il y a la rouge. En fait ça va être rude de pas en prendre. On va prendre qu'une. Ou en plus tu choisis de la prendre maintenant. Je ne suis pas sûr que ceci était une excellente idée. Eh oui. Ouh. Ça c'est des moments où t'es content d'être en vue Mario. Je sais pas si t'étais pas à côté du. Ah non, je crois que t'étais à côté du. Tu crois toujours que je suis à côté. Mais je ne suis pas. Tu peux rentrer dans des trucs. Mais là, il me semble que t'es vachement écarté pour faire des sauts. Moi je pense que c'est bon. Enfin, je veux dire, tu fais comment sinon? Regarde, tu montes à vue d'œil. Ah!
parles toujours trop vite. Bah, excuse-moi, mais ça... Soit tu prévois, puis ça arrive pas, soit tu parles trop vite, et puis ça... Bah, c'est bon, quand même. Ouais. Y a des limites. Sinon, pour la ramasser, tu fais comment? T'es obligé de passer par là-bas. Bah non, parce que tu peux pas, elle est dans un bloc. Ah! Tu peux pas péter le bloc. Ah oui, ça fait... Non, elle était dans un bloc. Oui. Ah, ah oui, elle était dans un bloc. Ouais. Elles sont toutes dans un bloc, justement. What? Mais putain, j'ai vraiment le flash. Putain, j'ai l'impression qu'ils descendent au lieu de monter. Ouais, mais là, c'est bon. Oh, en plus, t'es du bon côté. Celle-ci, elle est vile. T'as une chance sur deux de faire une glissade à la place de faire un coup de pied. Mais fais un double saut sur place. Y'a pas de panne, y'a pas de quoi se monter. Ouais, surtout si on considère qu'il est passé à droit à côté. Y'a quoi? Y'a celle qui est là-dedans, au-dessus de l'espèce de maison. Y'a celle qui est dans le bloc et puis derrière là-bas, ouais. Mais comme le taf, elle monte à chaque fois que t'en prends une nouvelle. Tu peux faire avec un saut de wow. What? Wow. C'est n'importe quoi. N'importe. Il est un peu fou ce machin, il est en train de faire des tours sur lui-même. Ouais, là, à mon avis, tu devrais faire un saut en longueur depuis le... Depuis là jusque là-bas. Depuis là? Ouais, mais ça passe. On va essayer. Oh, je sais. Bah moi il me semble que je faisais comme ça. Centième pièce. Oui. J'aurais pu tomber sur des bleus, sur des jaunes, hein, remarque. Ouais. Maintenant que tu le dis, c'est vrai, je me rends compte que t'aurais pu. J'ai déjà fait le coup de... Ah, ça me semble que j'avais déjà lancé le saut pour la prendre. Non. Elle te regarde partir. Elle te regarde partir, ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Il va se faire faire. What? J'ai tenté de faire un saut en longueur sur une distance de 2 mm. Ah bah tu vois, t'es pas mieux que moi. Enfin que moi j'ai des mètres pour me préparer. What? Ah, oh, c'est pris. Ah, il s'appelle l'araignée. Ouais. Enfin. Alors là, tu vas faire comment pour pas ramasser la pièce? C'est bon. Allez, ramasse, c'était toi qu'on va finir. Voilà, j'ai fini ce putain de machin. Yeah.